Oh la musique! Cimer Albert. Du coup, ouais, salut tout le monde. Yo mec, s'il y a une cage, je pète un câble. Oh les bâtards, ils ont essayé, hein. Dommage, dommage ce petit Q. Ces gens-là, quand ils font ce tribush là de cheese, je les fume tellement. Je vais les fumer. Yes, no, maybe. Jungler, ah bah. Je comptais pas me laisser push anyway. Par contre, ils vont monter de niveau 2 tellement. Par contre, si elle dodge pas les sorts, j'ai perdu. Hein. Si elle arrive pas à dodge un Q de luxe niveau 1 sans pression ni rien, je suis dans la merde. Elle se prend tout dans la gueule. Par contre, elle fait quoi elle? Et vive le D4! Heureusement que la luxe est horrible. Bah elle jouait Airy, j'avais pas vu. Voilà, ça explique tout. Franchement, même si elle la tuait pas, j'aurais été ok. J'ai tellement l'habitude que mes ADC ne fassent rien que j'aurais été ok. Là, GG. La GG, j'ai rien à dire. J'ai rien à dire. On va se prendre ça tranquillement, on a quand même 2-3 waves. Mais attends, on a combien de waves? Mec, on a stack 3 distances. Ah mais il y a 2-3 là. Wow, mais tu gueules toi en fait. J'étais à 60. Ouais Mumu, tu vas devoir carry à Mumu. Hein. Le top est doomed. Je vais juste stacker mon truc. Aïe aïe, 3-4, on peut le faire, hein. En face Riven c'est moins 2. Hein. Attends mais la Lux est AFK ou quoi? Mais ça me touche là, ok d'accord, super. Elle a même pas d'assist, la Caitlyn. On a la pré au mid. On a tué Lux. On a un dragon free, là, en fait. J'ai failli lui mettre un coup de boule. J'ai failli lui mettre un énorme coup de boule à lui. Ok. Ok, cool. Du coup, 1-0-3. Moi, j'ai eu un petit kill. Je suis content. Même si... Oh putain, un autre dragon infernal. Ok, d'accord. Je dois vraiment focus la game parce que Ekarim, Riven, Fed. C'est assez bancal comme pick, surtout pour Riven. Mais c'est apparemment un mec qui smurf avec Riven. Il a plus de 60% de rate. Donc, on va éviter de faire absolument n'importe quoi. Ah, mais la Lux est en 0-6. Ah oui, on a le champion du monde, en fait, là. Open bot. Allez, Cimer, Albert. Oh les dégâts! Ok. Alors, est-ce qu'il est en train de hint? Ou est-ce qu'il est juste pas bon? Un peu des deux, je pense. Allez, on essaie de la mettre en 0-10. C'est mon objectif. Alors, ça risque de faire mal en vrai. Ah, il fallait que j'attende le bon moment. Elle est éclatée, sa mère. Mais Lux, les gens comprennent pas que Lux... En fait, j'ai jamais compris pourquoi les gens disaient Lux est trop fort. Est-ce que à Baello, Lux est fort parce que personne sait esquiver ses skillshots? Mais là, le mec là... Il faut savoir que Nico, Lux, ça se ressemble un tout petit peu. Dans le sens où si on rate notre skillshot de route, de snare, là, le E pour moi et son Q pour elle, on est... mort en fait. Si t'as un gap closer quelconque, on est dead sa mère. Je vais juste faire... Putain, je voulais faire des dégâts pour la bonne note.
Et malheureusement, les gens ne... Il y a deux choses qu'ils ne font pas. Un, ils ne punissent pas quand Lux rate son Q. Hein. Et deux, ils ne savent pas esquiver son sort, en fait. Donc forcément, je pense que Lux, en effet, ça doit être fort à un certain level. Et là, vous avez encore une fois un exemple de pourquoi je joue support la plupart du temps. Parce que, bah regardez, la Queen était en 0-2 au début. Mon jungler, je sais pas trop. Le mid, bon, bof, ça pue la merde. Donc, on est bon. Nice. Et c'est un 0-10-1 pour la Lux. GG, well played. Problème, Caitlyn. Il y en a un qui va mourir, là. Que fait Caitlyn? J'ai l'impression que c'est un putain de bot, Caitlyn. Bien joué, Queen, tu mérites. Non, je vais mourir! Oh! Oh, dommage. Le heal! R! Ah, plus de mana. Didn't see, sorry, je me disais, c'est pas possible que quelqu'un ne sache pas appuyer sur R quand même. Ah mais il y avait quand même 13 kills en face, hein. Typiquement, la Lux qu'on vient de voir là, c'est ce qu'on voit en silver, et bas gold, normalement. Parce que c'est quelqu'un qui respecte pas les distances. Et c'est, normalement, c'est là où tu galères à jouer Lux, justement, parce que tu... Et normalement, ça s'apprend naturellement quand tu joues à LoL, mais normalement... Là, si c'est un joueur de Lux support... Cet homme a 1200 games où il est boosté. C'est pas possible sinon. Sinon c'est un mec autofill. C'est impossible que cette personne, 1, joue des champions à skill shot. Et 2, a déjà joué Lux. Elle m'a fait chier elle. Je vais la buter. Toi, je vais te faire mon nouveau combo toi. T'es prêt ou pas? Nouveau combo, t'es prêt? Boum. Ça c'est un nouveau combo ça mon gars. Huch. Ça fait mal. Ouf, 2-14 la Lux. C'est donc ça de jouer contre Sard. Bon bah GG à qui Allez, GG mon ADC. On va pas faire le bâtard, GG à mon ADC. Alors attention messieurs dames, la Lux. Non mais faut comprendre. Faut comprendre, là il y a eu un problème dans l'algorithme. Cette personne était Diamant 3, 29 LP, 560 games, pourquoi pas. 54% de win rate avec Lux en 80 games, c'est plus ou moins la norme. Maintenant, cette personne ne savait pas jouer Lux, je suis désolé. Tu as quand même 80 games de Lux, ça fait beaucoup. C'est pas qu'il savait pas jouer Lux, c'est qu'il ne savait même pas se positionner en fait. Genre, il s'avançait comme... ouais, la vidéo avec le Draven là, qui se mettait au corps à corps du trash. Donc cette personne, pour moi, en tant qu'analyste financier... Je pense que cette personne ne joue jamais de personnage distance. Et vu comment il s'approche, ça veut dire que c'est quelqu'un qui peut se permettre de faire des erreurs. Je dirais donc un main pike.